أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب. الذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل والنهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. ربي قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Que la paix soit sur vous. C'est Amirul Kirulu pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc ce sujet là c'est pour remettre un petit peu en cause on va dire l'histoire et surtout la géographie de l'empire de Pharaon, disons ça comme ça. Donc du temps de Youssouf alayhi salam et jusqu'à Moussa alayhi salam. Voilà, c'est un petit peu pour c'est pas une vidéo voilà, je viens pas pour vous dire que c'est la vérité ce que je vais vous dire ou quoi. Je vous demanderai juste de réfléchir là-dessus. Parce que je vais vous présenter des faits. Enfin, des faits. Enfin, ouais, des faits et. Des faits qui sont assez pertinents. Voilà, donc on va voir ça ensemble. Mais avant ça, s'il vous plaît, donc j'aimerais faire passer un tout petit message pour mes abonnés, pour ceux qui suivent et tout. Bah, je vous remercie tous d'avance, en tout cas pour tous ceux qui m'ont soutenu dès le départ. Hein. Quand je parle de soutien, bien évidemment, c'est les pouces bleus, les pouces j'aime, et le fait donc que vous soyez toujours là, présent donc dans mes commentaires, en suivant mes vidéos régulièrement et tout, je vous respecte énormément dans le sens où vraiment vous êtes engagé dans ma cause et ça me fait plaisir, ça me touche. Maintenant, voilà, je vais vous dire franchement. J'ai mis quelque chose à comme ça que je dis quelque chose mais en vrai c'est un compte comme un compte PayPal, donc ceux qui voudraient vraiment me soutenir encore plus que cela, ils sont les bienvenus, marhaba bihum. Et vraiment je vous dis ça parce que bon je vous dis pas tout en fait hein, sur ce qui se passe un petit peu dans ma vie personnelle ou sur ma chaîne et tout, mais bon je suis censuré dans un sens, on va dire, légèrement censuré, mais dans le sens voilà, où on m'empêche un peu de parler. Vous voyez pas tous les dislikes qu'il y a à droite et à gauche et tout, bon. Et les compteurs ont été touchés depuis que je parle de Kabbal, Samiri. Et vous avez très très bien vu que mes pistes sont très bonnes, sans prétention, je me jette pas de fleurs du tout. Mais vraiment, je sens que ma parole dérange depuis donc l'année dernière. Depuis 2017, si vous préférez, fin 2017, fin de l'année 2017, je dérange. Je le sais que je dérange, mais sous un autre angle. Parce que pourquoi? Je remets vraiment en question les faits historiques et au final, je prends beaucoup de risques un petit peu en parlant comme ça parce que je remets en question des dogmes. Je fais un peu bousculer les communautés, entre guillemets. Mais je le vois bien, hein, je le sens, hein, je vois qu'il y a un phénomène donc étrange depuis 2017. Hein. Des gens, ils s'amènent de partout. Voilà, donc ils ont je sais pas, tu vois, ils ont... Tu vois, il y en a, ils cherchent le Mehdi, je sais pas ce qu'ils racontent, les gens, tu vois. Bref, bon, voilà, tu vois, je vois, il y en a, ils sont grave curieux et tout. Mais mon travail, je sens qu'il dérange beaucoup de gens. Parce que, voilà, j'estime vraiment faire un vrai boulot d'investigation. Donc je vous remercie à tous mes abonnés qui me suivaient depuis le départ. Et je pense à beaucoup de gens que parfois même ils m'envoient des messages en privé et tout. Voilà. Filles, garçons, les deux. Ça me fait vraiment plaisir et ça me touche. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, moi j'ai mis quelque chose sur ma chaîne.
Vous verrez, le lien, c'est marqué, je mange de la nourriture, pour ceux qui veulent bien m'aider, parce qu'en ce moment, je subis pas mal de choses. J'ai pas mal, j'ai vu que, bon, je vous raconte pas ma vie, mais voilà, il s'est passé quelque chose. J'ai vu que, voilà, on essaie de me couper mes vivres, de m'empêcher de vivre un peu, entre guillemets. Ça me fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça la vie. Quand on s'engage, alors, je vais pas dire dans un combat, mais quand on s'engage comment dire, bah, comme moi je le fais, quoi. Ce que je fais, je l'assume. Grosso modo, c'est un peu ça le truc. Mais voilà. Je vous le dis comme ça, juste que je dérange. Donc s'il vous plaît, si vous voulez bien, hein, moi je vous le dis comme ça, hein, c'est pas, je m'en dis pas, je voilà. Si vraiment vous voulez faire plus que cela, n'hésitez surtout pas. Et ça va même carrément me permettre de me booster. Ça va me booster, forcément, parce que ça va me donner encore plus envie de me rapprocher de vous. Et donc bah voilà, de pouvoir donc prendre un logiciel pour faire des montages et tout ça et tout et tout. Voilà, donc bah merci à tous en tout cas, et puis voilà, bref, donc on ferme les guillemets, on va sur le sujet directement, si vous voulez bien, et donc on va se concentrer sur ce que, bah, sur ce que j'ai à vous dire en fait. Bon, on va revenir un petit peu sur le sujet de hier, d'avant-hier je crois, ouais c'est avant-hier, bon les jours passent vite, hier j'ai pas fait de vidéo. Donc à propos de Jésus, le blasphème qu'il y a à l'encontre de Jésus dans le Talmud. Et je vous ai montré comme quoi, ben, en fait, ça va plus que cela, ça va plus loin que cela, pardon. Et que ben, c'est la Kabbale qui blasphème plus Jésus que le Talmud. Voilà. Et on le fait avec les nombres, les chiffres du Coran. Alors, vous voyez que je suis en train de tourner en rond comme ça, là, au même endroit, à la même zone, parce que c'est le 19e arrondissement. Bon, tu me diras, ça n'a aucun rapport avec Moïse pour l'instant et le sujet que je voudrais vous présenter. Mais quand même, il y a un petit lien. Mais un tout petit, et vous verrez. Donc, ce que je n'ai pas dit la dernière fois, c'est que tu as la ligne 7 du métro qui passe dans le 19e, tu vois? 7. Et tu as la ligne 5 qui passe dans le 19e. D'accord? Vous vous souvenez ce que j'avais dit auparavant dans ma vidéo, donc la France en cavale et les sourates du Coran. Donc, depuis ce temps-là, je sens la censure, comme je vous ai dit donc auparavant, quoi. Et bah, 7-5, hein, forcément, c'est quoi? Bah, c'est la sourate de la résurrection. Si vous vous souvenez, pour ceux qui ne le savent pas, qui découvrent à peine mes vidéos, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes à propos donc de la France en cabale et des sourates du Coran, quoi. Voilà, pour mieux comprendre un peu tout ce que je suis en train de dire. Donc la résurrection, donc on sait que chez les chrétiens, Jésus ressuscite au bout de 3 jours. Donc c'est clair, hein, je veux dire, au niveau symbolisme, voilà. Je pense que l'évidence, elle est là. Maintenant. Oui, 75, vous voyez. Donc 75, la résurrection, en plein dans le 19e. 19 qui fait référence à la sourate Marie. On parle bien évidemment de Jésus, mais pas que. Mais dans d'autres sourates aussi. Mais voilà. C'est pour dire, voilà, voilà Marie, voilà Jésus, etc. Bon, bref. On a même le bus 75, tiens. À Porte de Pantin. Ouais. Ouais. C'est intéressant tout ça. Moi, je vous ai dit que bon, la RATP aussi, elle était complice dans la cabale, hein, je veux dire, dans le fait. Pour moi, c'est comme de la sorcellerie. Hein. C'est exactement la même chose. Version hard. Ardue et hard. Bref, bon. Ce qui m'a frappé aussi, c'est quoi? C'est que. On a le Jourdain. La ligne 11, elle passe aussi dans le 19e. Je tenais à vouloir à le signaler aussi. Bon, voilà. Et on a des noms comme Jourdain, le fleuve Jourdain, vous connaissez, c'est le fleuve qui passe par la Palestine et la Syrie, par la Jordanie aussi, bien évidemment, qui donne le nom Jourdain, Jordanie. Et on a aussi le Danube. Tiens, c'est étrange le Danube. Qu'est-ce qu'il fout là, le Danube? On nous dit que Jésus, il a été bon, baptisé par Jean sur le fleuve du Jourdain. Bon. Mytho ou pas mytho, ça j'en sais rien, là où Alem. En tout cas, c'est étrange. Mais Danube, qu'est-ce qu'il fait là? Attendez, c'est où? C'est là, le Danube, qu'est-ce qu'il fait là? Excusez-moi, mais la Riquet. Crimée, pardon. Crimée. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est des bonnes questions. Bon, on a Pyrénées. Les Pyrénées, non. Télégraphe, non. Botzaris, ok.
Qu'est-ce qu'ils font là, ces deux-là? Crimée et... comment qu'on a dit? Crimée et Danube. C'est quand même étrange. Alors, moi, ça me fait rappeler quoi l'histoire? En fait, c'est quoi? C'est que dans le récentisme, je me souviens qu'après Pierre d'Ortigueil en parlait, bah voilà, bref, pour ceux qui ont déjà regardé, ils doivent savoir de quoi je parle. Bah, ça vient pas de lui, même, ça vient de Fomenko à la base, bon, voilà, je le dis. Et qui remettait donc en cause la localité de Jésus qui serait venu prêcher donc en Israël, en terre d'Israël. Or, t'en as donc comme eux qui ont commencé à dire que ça aurait pu être, je sais pas comment ils en sont arrivés à là, mais ils ont dit voilà, il est possible que Jésus aurait prêché plutôt en Crimée. C'est un peu étrange, mais voilà. Donc vers le pays de l'Ukraine, quoi, actuel. D'accord? Pays des Tatars. Plus connu pour être le pays des Tatars. Quand même étrange. Bon. Attendez, si vous me permettez. Voilà. Maintenant, dans cette histoire de récentisme, donc à propos de Jésus qui aurait prêché sans doute plus vers la Crimée qu'en Israël, c'est... Maintenant, je commence à comprendre c'est-à-dire que ce qu'ils disent, eux, faut pas le prendre au pied de la lettre, je veux dire, faut pas tout avaler, mais c'est très pertinent. Leurs analyses aussi sont très pertinentes, et quand on voit ça, ici, quand je vous présente ce symbole-là, là, que je suis en train de vous montrer, et que on entend ces gens-là dire que Jésus aurait peut-être prêché en Crimée et tout, bah écoutez, ça n'a aucun rapport. Je veux dire, Fomenko, que ce soit professeur Pierre d'Ortigueil, qui est toulousain, lui, ou je crois il vient du Sud en tout cas, bah ça n'a rien à voir. Je veux dire, même lui, il n'aurait jamais deviné ce que je suis en train de vous dire là. Il n'en serait pas venu à là. Je ne sais pas s'il a une connaissance de ce que je dis déjà ou pas, mais voilà. Ça n'a aucun rapport, je veux dire. Mais comme par hasard, il y a une liaison entre ce que eux disent et ce que moi j'aperçois là, ce que je suis en train de vous présenter, quoi. Il y a quand même un lien très fort. Alors, on va y aller doucement. Comme je disais dans ma dernière vidéo, faut y aller doucement avec les gens. Faut pas les bouleverser parce que leurs croyants. Les pauvres malheureux, ces gens, les gens, donc les religieux généralement même, voilà, peu importe. Mais. On les a tellement endoctrinés, on leur a fait croire des choses qui sont malheureusement ancrées dans leur cervelle et qui pensent être la réalité, la vérité, telle qu'on leur a présentée, hein, officiellement. Voilà. Maintenant, bon, j'arrive pas à comprendre comment que ces gens, ils n'arrivent pas à se remettre en cause ou quoi, se remettre en question ou remettre les choses en question. Je sais pas comment ils fonctionnent ces gens-là, je sais pas. Bon, enfin bref. Heureusement qu'on est tous différents. Si on était tous pareils, on vivrait au paradis et c'est pas le truc. Allah nous a créés pour une vie de lutte. Donc bon, bref. Donc c'est étrange. Vous voyez que c'est étrange. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc moi, j'ai pris les psaumes. Donc le Zabour de Daoud alayhi salam, les psaumes de David. Et j'ai été voir. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai retenu un passage dans les psaumes, donc c'est le verset 47. Oui. Il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Alors moi j'ai retenu le mot sycomore. Je vous le dirai après pourquoi. Mais bon, ici dans tout le chapitre 78, hein, on parle fidélité de Dieu au cours de l'histoire d'Israël. On parle, si vous préférez, du peuple de Moussa alayhi salam. Donc des pharaons, quand ils ont été libérés, et avant aussi. Donc c'est une commémoration de la part de David, hein. Donc pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé et tout, voilà, donc bref. Et ben, un rappel, hein, tout simplement, qui vient de Dieu, hein, voilà. Et... C'est intéressant de lire, hein, mais je voudrais peut-être pas perdre de temps dans cette vidéo, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Je vous invite à lire tout ça. Parce que c'est un peu. C'est récapitulatif de ce que dit le Coran, hein, à propos de Moïse, alayhi salam, d'accord? Donc de son histoire, hein, quand il a sorti son peuple des Banu Israël, et non pas des Juifs, hein, mais des Bani Israël, qui sont à la base des musulmans, selon le Coran. Mais c'est une autre histoire, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est. Voilà.
ce que je suis en train de vous dire ce soir. Donc où j'en étais. Oui, donc tout ça c'est l'histoire de Moïse. Bref, là j'ai retenu le mot sycomore. Et j'ai dit quoi? En fait, moi j'ai vécu toute ma vie dans un endroit, voilà, c'est à Rouni, hein, pour ceux qui connaissent tant mieux, c'est en Seine-Saint-Denis, on s'en fout. Et pardonnez-moi. J'ai vécu donc dans une, voilà, une petite banlieue, donc dans une cité, voilà, blabla. Et j'habitais rue des Sycomores. Donc, les Sycomores, qu'est-ce que c'est? On va le lire ensemble donc sur la fiche Wikipédia, si vous voulez bien. Érable Sycomore. Donc, ça m'a toujours un peu tilté, les Sycomores. Hein, parce que, bon, c'est normal, j'y ai vécu, voilà. Et, petit à petit, on va voir. Donc, l'érable Sycomore, ça ressemble à ça. Ça vous fait pas rappeler la feuille qui a représenté sur le drapeau du Canada. C'est une feuille d'érable hein, qui est représentée sur le drapeau du Canada. Bon, bref. Est une espèce d'arbre de grande taille de la famille des Aceraceae, fréquent en Europe. Ah, je fais un petit silence, là, je suis obligé de vous dire ça comme ça, parce que voilà. Retenez bien. On n'a pas dit l'Afrique. On n'a pas parlé du Moyen-Orient. Fréquent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais ils sont fréquents. Bon, écoutez. De toute façon, il n'y aura que deux solutions tout à l'heure. Je vous le dirai tout à l'heure, mais il peut y avoir que deux solutions. Ou alors, il y a eu un changement climatique en Égypte. Si à considérer que l'histoire se soit vraiment déroulée là-bas. Et il y a eu un changement climatique, donc qui font que les conditions sont devenues très difficiles pour que la végétation puisse reprendre, on va dire, de son essor dans cette région-là, plus particulièrement de l'Égypte actuelle, hein, qu'on connaît, donc qui est un désert, d'accord? Ou alors, ça s'est passé en Europe. Je veux dire, l'histoire de Moïse, elle s'est passée en Europe. Ou alors au Canada, parce qu'on retrouve ces arbres-là en Amérique du Nord. Ou l'un ou l'autre. Mais pas dans un désert. C'est après qu'ils ont été dans un désert. Mais quand ils vivaient sous le joug de Pharaon, ils étaient dans un endroit florissant. C'est après, lorsqu'ils ont traversé la mer, que... Voilà. La mer, ça peut être... je sais pas, peut-être... Après, il y a plein d'endroits où c'est fin. Hein. Ça peut être le détroit de Bosphore, ça peut être le détroit de Gibraltar, tout ce qui forme un détroit. Ça peut être tout, le détroit de la Crimée, comment qu'il s'appelle, bah tiens, il y a eu un accident en plus hier. Deux navires tanzaniens qui ont brûlé, il y a eu des incendies en mer d'Azov. C'est derrière la mer Noire en fait, c'est dans la Crimée. Je veux dire, la Crimée c'est une presqu'île, hein. Je sais pas si vous savez, mais bon, voilà, bref, on s'en fout. Voilà, c'était pour vous dire le truc quoi. Hein. Maintenant, ce qui se passe, voilà, on va retenir Europe, donc ça peut être que l'un ou l'autre. Bref, il appartient donc à la section ACR de la classification des érables selon de Jong, je sais pas comment on dit, bref, on s'en fout. Il s'agit d'un arbre à croissance rapide les premières années, d'accord, et qui rejette facilement de souches quand il est coupé. L'érable sycomore ne doit pas être confondu avec l'espèce voisine, Acer platanoïde, l'érable plane plus exactement, ou érable platane, dont le bout des feuilles est plus acéré. Selon Langreff, l'érable sycomore serait plus sensible à la maladie de la cime, mais moins exigeant en lumière et moins xérophile que l'érable plane. Donc déjà, c'est des indices qui nous poussent à croire ou à comprendre que dans les psaumes, et en plus là on parle des plaies d'Égypte, hein. Là, c'est les plaies d'Égypte, hein, les sauterelles, la grêle, vous connaissez, c'est les plaies d'Égypte. Hein. Voilà, bon, dernièrement, on en a tous un peu parlé par rapport à ce qui s'est passé à la Mecque, donc voilà. Donc c'est, bon, c'est des indices, c'est des petits indices comme ça qui peuvent vous faire comprendre, voilà, des choses. Et moi, je suis là pour vous apporter quelques petits indices, des éléments, des pistes à suivre pour que vous puissiez réfléchir. Donc on l'appelle parfois faux platane, grand érable ou érable de montagne, plus rarement érable blanc. Historique et dénomination. L'espèce a été décrite par le naturaliste
suédois Carl von Linné. Étymologie, son nom commun de sycomore lui vient de la ressemblance supposée des feuilles avec celle du figuier. C'est bizarre. Du figuier sycomore ou figuier d'Égypte. Tiens, tiens, tiens. Hein? Subhanallah. Bon. Les feuilles de ce figuier rappelant ainsi aussi celles du mûrier. Ouais. Bon, moi, je sais qu'on a vécu en pavillon pendant un moment donné, moi et mes parents. Et on avait un figuier dans le jardin, je m'en souviens. Et c'est vrai que les feuilles du figuier, elles ressemblent beaucoup aux feuilles de sycomore, hein, ce que je viens de vous montrer. Un petit peu beaucoup. Il y a moins de zigzags sur les feuilles, sur les pétales. Il y a moins de zigzags, c'est plus arrondi. Les feuilles de figuier, elles sont arrondies. Il y en a pas du tout, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de. Voilà. Sur les bouts des feuilles, quoi. Bon, bref, on continue. J'en étais où, moi? Le nom de genre. Ouais. Le nom de genre Acer, donné par Linné à tous les érables, signifie dur en latin, se rapportant aux propriétés du bois. L'épithète spécifique pseudo-platanus signifie faux platane, découlant de l'aspect des feuilles qui rappellent faussement ou vaguement celles du platane. L'érable plane a, quant à lui, des feuilles bien plus ressemblantes, hein, à celles du platane, et donc a reçu le nom de platanoïde, hein, car ce fut pour Linné le caractère de détermination le plus évident concernant ces deux espèces d'érables. Voilà. Répartition géographique. Eh oui, les mecs, c'est très important de le voir. D'accord? Regardez bien. Alors, on va les trouver souvent sur des collines, à hauteur de 2000 mètres d'altitude. Les plus fréquents sont en altitude, si vous préférez. Mais pas trop trop haut. On le verra tout de suite, on va le voir tout de suite. Mais regardez bien la carte, s'il vous plaît. On en trouve dans le Caucase, donc, là où il y a des montagnes. Les Alpes. Parce qu'il y a des montagnes. Ici, il y a des montagnes en Italie, hein, tout le long de l'Italie, qui ressemble à une botte, hein, bien évidemment. Au milieu de l'Italie, tout le long, comme une colonne vertébrale, hein, il y a des montagnes. Je ne me rappelle plus comment elles s'appellent, mais bon, bref. Les Pyrénées. Vous savez, hein. Les Alpes, je l'ai dit, les Alpes dinariques, c'est-à-dire les Alpes du Balkan, hein, les Alpes balkanaises, les Balkans, quoi. D'accord? On en trouve aussi en Roumanie, d'accord? Et justement, on va parler de Roumanie tout à l'heure, c'est quand même un peu étrange, subhanallah al-azim, c'est quand même bizarre. Voilà. On en trouve aussi en Ukraine, donc voilà, bon, tout ce qui est une région un peu montagneuse ou presque. La Pologne, elle ne l'est pas, hein, l'Allemagne, pas trop non plus. Mais on en trouve quand même parce que c'est frais et humide. Voilà. En fait, c'est soit dans des endroits frais et humides, soit en montagne. Donc déjà, faut qu'il fasse un peu frais. Parce que plus tu montes en altitude, plus il fait frais, hein, vous le savez très bien ça. D'accord? Voilà. On va revenir. L'érable sycomore est un grand arbre à tige élancée, pouvant atteindre 35 à 40 mètres de haut et un diamètre de 3,5 mètres, hein, à 1,5 mètre de hauteur au-dessus du sol. Sa durée de vie peut atteindre, hein, les 500 ans. Deux petites secondes. Donc, l'écorce est d'abord lisse et gris jaunâtre, puis gris rougeâtre, et de plus en plus foncée sur les arbres âgés où elle se détache en s'écaillant en larges plaques. Ce qui différencie cette espèce de l'espèce proche Acer platanoïde, érable plane. Les feuilles opposées, comme chez tous les érables caducs, sont palmées avec cinq lobes pointus, à dents obtuses, séparées par des sinus aigus. Ces feuilles à long pétiole, légèrement cordiformes à la base, sont glabres et vert sombre à la face supérieure, vert glauque portant des poils sur les nervures à la face intérieure. Et il ne fleurit que vers 20 à 25 ans. Les fleurs de couleur vert-jaune, groupées en panicules tombantes, apparaissent avec les feuilles, à la différence de celles de l'érable plane dont les fleurs groupées en corymbes dressées apparaissent avant les feuilles. Bon, tout ça, ça n'a aucun rapport avec mon histoire, hein. D'accord? Vous pouvez le feuilleter vous-même si vous voulez savoir ça, quoi. Elles ont cinq sépales soudées, cinq pétales et huit étamines dressées. Les fruits sont des dismarèses. Alors, c'est ça. Oui, parce que je me souviens, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vécu rue des Sycomores, hein, dans une commune à Rosny-sous-Bois. Bon, bref, voilà. Et quand j'étais petit, on jouait tous dans ma cité, quoi. On jouait tous à ça, là. En fait, on prenait ces. Parce que ça tombe par terre en automne, forcément. Il y en a plein par terre, t'en trouves plein par terre.
Et on les prenait, ça ressemble à des hélicoptères. Tu vois, tu les jetais et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne jusqu'à ce que ça tombe au sol. Ça fait comme des hélices d'un hélicoptère. Mais pour ça, faut les couper en deux, là. Tu les coupes en deux, t'en prends juste une, tu la jettes en l'air comme ça, là, et ça te fait un hélicoptère. D'accord? On s'amusait à faire ça, en fait, quand on était petit. On avait tellement rien à foutre que voilà, c'est. Mais c'était bien, on a vécu dans une cité bien boisée. Voilà, c'était bien. Dont les ailes sont écartées, hein, formant un angle beaucoup moins ouvert que celle des dismares de l'érable plane. Ouais. Donc c'est une essence de lumière préférant des sols riches et plutôt calcaires. Hein. Bon, j'avoue, j'ai vécu dans un endroit où c'est. Ouais, y a beaucoup de. Bon, bref, c'est plus de la gypse qu'il y a de calcaire. Bon, bref, on le rencontre en général en peuplement disséminé au milieu des autres espèces. C'est notamment un compagnon du hêtre et du sapin. J'ai vu dans ma cité aussi, il y avait pas mal de sapins. Ouais, pas mal de sapins, donc pas mal de pommes de pin. On ne le trouve jusqu'à 1600 mètres d'altitude, d'accord? Jusqu'à 1600 mètres d'altitude, je vous ai dit 2000 mètres tout à l'heure, mais je m'étais trompé, hein. Notamment dans les étresses sapinières matures des Pyrénées, d'accord? Bon, moi où j'ai vécu, il y a 70 mètres d'altitude, pas plus que ça, quoi. C'est une essence parfois abondante en taillis sous futaie notamment, mais toujours disséminée, mélangée avec d'autres espèces, hêtres et sapins le plus souvent, d'accord? Bah, moi, ma cité est pas mal de saules, de sapins et de sycomores. Saules, sapins, sycomores, peupliers, tulipiers. En fait, je prends les noms des rues. Hein. Sophoras. Quoi d'autre encore? Des marronniers. À l'époque, à une certaine époque, on avait des pommiers, des pruniers. Je m'en souviens, hein. Putain, à l'époque, on cueillait des prunes, des pommes, des cerisiers, on en avait et tout. Voilà. Bon, bref, allez, je ne veux pas commencer à vous faire tout ça. C'est une essence parfois abondante, hein, je l'ai dit, voilà, tac, 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 tac. Il fait preuve. Dans des conditions favorables, il fait preuve d'une bonne régénération naturelle. Soit à partir des graines qui se disséminent relativement bien par anémochorie, pardon, soit à partir des rejets de souches. Ouais, bon, bah, c'est des termes botaniques, je suis pas spécialiste en botanique. Bon, vous m'excuserez. Aspect sylvicole et utilisation, sans être véritablement en bois précieux, hein, bon, voilà. Ça, vous pouvez le faire vous-même si vous voulez. Hein, d'accord, vous le faites vous-même et puis vous regarderez. Mais bon, voilà. Par ailleurs, s'il résiste plus peu. Voilà, on va quand même lire ça. Par ailleurs, s'il résiste plutôt bien aux tempêtes, comme le hêtre qui l'accompagne souvent, il est sensible au manque d'eau. Déjà. Donc, excusez-moi. Mais si dans les psaumes on retrouve la mention de il fit périr les vignes par leurs vignes par la grêle, vigne, on peut comprendre. Il y en a dans tout autour des régions méditerranéennes. Dans les régions méditerranéennes, hein, que ce soit dans le sud, en Afrique, ou en Palestine, il y a des vignes. Ça, c'est vrai, il y a des vignes. Il y a des risques aussi de grêle dans ces pays-là, quoi. Mais en Égypte, bon, c'est quand même assez désertique. Même si on est au bord du Nil, c'est quand même désertique. Alors, à condition qu'il y ait eu changement climatique, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être ou l'un ou l'autre. Mais alors, les sycomores, vraiment, les amis, c'est ça qui m'a. C'est comme ça que tu peux comprendre un peu pourquoi on t'a menti, etc. Bon, bref. Faut se servir des choses. Il est sensible au manque d'eau, voilà. Et à la forte chaleur. C'est clair, les amis. Ça, c'est clair. Je n'invente absolument rien. Et donc au risque climatique. Hein. Avide de lumière, quand même. Il a besoin de lumière. Il est relativement sensible à la concurrence, qui est aussi un facteur positif de sélection naturelle. Ainsi qu'aux brutales mises en lumière latérales qui provoquent la formation d'abondants gourmands, pouvant éventuellement déséquilibrer ou déformer l'arbre ou affecter la régularité des cernes. Sur les lisières plus exposées aux aléas climatiques, sécheresse, choc thermique, exposition hein, aux UV à la zone, ou à l'ombre de dominants, il est souvent victime de deux maladies fongiques. C'est quand même. Ouais, vous pouvez le lire, hein, vous pouvez le faire vous-même. Donc ça peut être un changement climatique, hein. Je dis pas que ça s'est pas passé en Égypte, mais quand même, ça c'est suspect, c'est douteux. Et après tout ce que je viens de vous montrer auparavant, ça laisse perplexe. Ça nous laisse vraiment de quoi. C'est un os à ronger, vous voyez comment je veux dire? C'est vraiment là, il y a de quoi se poser des questions, quoi. Bon, voilà tout, hein. Je crois que je ne vais pas vous lire la partie maladie, parce que bon, vous pouvez le faire vous-même.
C'est intéressant quand même de le savoir. Donc cette espèce est répandue en Europe centrale et occidentale. France, y compris en Corse, Benelux, donc Belgique, hein, Néerlande et Luxembourg, Allemagne, Suisse, Autriche, Pologne, Russie. Ainsi qu'autour de la Méditerranée, Espagne, Portugal, Italie, Albanie, ex-Yougoslavie, Grèce, Asie mineure, Turquie et dans la région du Caucase. Là, ils ne nous ont pas parlé de Algérie, Maroc, Tunisie, etc. D'accord? Bon, j'ai jamais trop, mis à part l'Algérie, que j'ai fait comme ça pas mal de fois, vite fait. Bon, je veux dire, j'ai pas visité tout le pays pour voir s'il y avait des sycomores ou pas. Mais je pense que chez nous, il fait quand même un peu trop chaud pour qu'il y ait des sycomores. Déjà, rien que dans notre zone à nous. Alors imaginez l'Égypte qui, elle, est dans une zone beaucoup plus désertique que l'Algérie. Je parle en tout cas pour le nord de l'Algérie. Hein, pour tout ce qui est côtier. Voilà, tout ce qui est au bord des côtes. Voilà, donc c'est un peu bizarre. Surtout que lorsqu'on va voir après que t'as le delta du Nil et le delta du Danube ici. Je sais pas si vous faites gaffe, mais voilà, le Danube, il jette dans la mer Noire. Hein, d'accord? Il prend sa source vers l'Allemagne, en Allemagne. Et il se jette dans la mer Noire. Part de la forêt noire jusqu'à la mer Noire. Et on a le delta du Danube qui se trouve entre l'Ukraine et la Roumanie. On verra ça après. Je continue un petit peu et puis après on va venir là-dessus. Préférant les climats frais et humides, hein, c'est pas moi qui l'invente, il pousse en pleine et à moyenne altitude dans les parties septentrionales de son aire de distribution, comme en Belgique et dans le quart nord-est de la France. Tandis que c'est typiquement un arbre des zones montagneuses. Déjà, on parle de montagne. Dans la partie méridionale de son aire. On le rencontre jusqu'à une altitude de 1500 à 1900 mètres en France. Bon, 2000 mètres, tout à l'heure je l'ai dit, mais c'est pas faux. Utilisation, l'érable sycomore est cultivé comme arbre d'ornement. Il est notamment planté comme arbre d'alignement le long des routes ainsi que dans les parcs. Hein. Il en existe de nombreuses variétés à feuilles décoratives, panachées ou plus ou moins profondément découpées. Il est également pardon, très utilisé comme essence de reboisement, car sa croissance est rapide et son bois de grande qualité. Les forestiers le classent parmi les feuillus précieux et préconisent de le planter en mélange avec d'autres essences à croissance rapide, hein, telles que le frêne, hein, ou le merisier. Son bois blanc et assez dur est utilisé en ébénisterie et en tournage, ainsi qu'en lutherie. Dos et clisses et manches de violon, hein, sycomore ont des. Il servait autrefois à la fabrication des sabots. Hein, c'est assez intéressant. Il fournit un excellent bois de chauffage. Et voilà, les amis. Symbolique. Tiens, c'est pas mal. Le sycomore est symbolique du chagrin d'amour dans le théâtre shakespearien et plus largement dans le théâtre élisabéthain. Cela proviendrait du jeu de mots sick, amour, sick, maladie en anglais. Par exemple, dans Othello, dans sa célèbre chanson de Saul. La servante Barbara, bon, ouais, bon bref, par Desmodon, venait s'asseoir en pleurant près d'un sycomore. Bon, blablabla, ouais. Implication dans une maladie. Bon, voilà, je crois que j'ai fait l'affiche. D'accord? Maintenant, honnêtement, les amis, je vous ai parlé de Crimée, tout ça et tout et tout. D'accord? Bon, le temps qu'il charge, des fois, je sais pas pourquoi il me fait ces coups-là. Voilà. Danube. Dans le 19e, Jésus, qui vient après David. Chronologiquement, dans l'histoire des religions, on dit que Jésus vient après David. Daoud est venu avant Jésus, d'accord? Bon, écoutez. Je vous ai parlé du sycomore. Et là, on parle plutôt de l'histoire de Moïse. Maintenant, delta du Danube, hein, voilà. Je vous présente la Roumanie. Il y a des montagnes en Roumanie, d'accord? Ça s'appelle les Carpates. Et pas les Carpettes, les Carpates. Et voilà. On l'appelle Misr. Mais vous avez une ville en Roumanie qui s'appelle Timișoara. 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 Timișoara, je crois qu'ils disent même. Non, Timișoara. Timișoara, carrément. Timișoara. Misr. Je ne vous ai pas parlé de Miss. Bon, bien sûr, dans le mot roumain, bon. Mais je ne sais pas si vous le voyez là, je ne sais pas si vous faites gaffe. La ville, elle est ici, Timișoara. Timișoara.
Ici, on la voit. Timișoara. Elle est dans l'ouest de la Roumanie et derrière des montagnes. Derrière les montagnes, donc, des Carpates. Juste derrière. Le Danube, lui, il prend sa source ici. Non, pardon, il se jette dans la mer ici. Hein. Il continue, enfin voilà, il va jusqu'à. Il passe par là, quoi. Il est en frontière avec la Bulgarie à un moment donné. D'accord? Après, il s'en va vers la Serbie et il remonte en Hongrie pour partir, finir en Allemagne. D'accord? Passe par l'Autriche, bien sûr, bien évidemment. Et pour finir en Allemagne. Ou l'inverse, quoi. Mais voilà! Le Danube. Qu'est-ce que vous en dites? Timișoara. Timișoara. Misa. Misora. Misoara. Misor. Misa. Et, en plus, un indice de plus pour que vous puissiez comprendre de quoi je vous parle, c'est qu'on a une ville qui s'appelle Alexandria. Vous allez le voir. Elle est là. Je n'invente rien. Alexandria. Voilà, ici on la voit très très bien la ville. Là je pense que vous devez bien voir dans mon écran parce que des fois il y a des jeux de lumière donc ça le fait pas trop. Mais là vous le voyez, Alexandria, près du Danube. Et on retrouve où Alexandrie s'il vous plaît? En Égypte. En Égypte. Ici c'est l'ancien pays des Slaves. La Slavonie, plus exactement. D'accord? Pour moi c'est eux les Latins. L'ex-Empire romain, si vous préférez, qu'on veut faire croire. En plus, tu vois que l'empereur, c'est Jules César, ou alors Jésus-Christ, JC, JC, à vous. C'est à vous de voir. C'est à vous de comprendre ce que je suis en train de dire. Pour moi, l'Empire romain, c'est fictif. C'est en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est aujourd'hui l'Empire romain. Il est là, il est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Vous voyez un peu comment je veux dire? Voilà. C'est un peu comme ça qu'il faut prendre cette histoire de récentisme, d'histoire de l'histoire falsifiée, en fait, voilà, tout simplement. Et voilà, Alexandria. Alexandria. Je peux rien faire. Je peux pas vous dire si c'est un hasard ou pas, mais voilà. Ici, c'est le pays de la Slavonie. Et pour moi, les Slaves, c'est eux les Latins. Soi-disant les soi-disant Latins qui étaient des Romains. Non, non. Bon, par ailleurs, en Roumanie, ce sont les seuls dans le pays de l'Est, comme par hasard, tu me diras, les seuls à parler une langue latine, s'il vous plaît. Latine. Oui. Ils sont quand même à 2 000 lieues de l'Italie, quand même, pour parler le latin. Faut traverser la Slovénie, il faut traverser la Serbie, pour arriver en Roumanie. Vous voyez comment je veux dire? Et les Serbes et les Slovènes ne parlent absolument pas le latin. Ils ont leur propre langue à eux. Il y en a, ils vont dire c'est du slave. Non, non, c'est pas du slave qui parle, eux. Au contraire. Le slave, c'est les langues latines. Est-ce que vous comprenez où je voudrais en venir? C'est plutôt l'inverse. Les autres langues, elles sont pas slaves. Les autres langues, c'est des langues, à mon avis, je pense, je suppose, que ce sont des langues dérivées de l'Ibère, de la péninsule ibérique, des Berbères, si vous préférez. Ce sont des Berbères. C'est possible, là où Alem, après, voilà. Je vais. J'essaye de ne pas tout mélanger, mais voilà, pour l'instant, je vous donne quand même des petits indices. Bon, donc voilà, la Transylvanie, c'est ça, les Carpates méridionales, on a la Transylvanie au nord, Carpates orientales, Transylvanie, Translave, Sylvanie. T'entends un peu le mot slave quand même, Sylave, Sylva, Sylava, Sylvanie, tu vois un peu comment je veux dire? Bon, écoute. Voilà. Voilà mes amis, et quand on regarde en fait le Coran, il est possible que Dieu nous dit à un moment donné que dans le verset 41 par exemple de la sourate Ar-Ra'd, le tonnerre donc, 13, sourate 13, excusez-moi, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit, ne vois-tu pas que nous frappons la terre et que nous la réduisons de tous côtés? Je m'arrête là, hein. Excusez-moi pour le reste, mais voilà, je m'arrête là juste pour que vous méditiez là-dessus. Alors, soit il y a un changement climatique, et c'est ce qui a causé la perte donc de la terre d'Atlantis. Vous savez, Atlantide, l'Atlantide, hein, c'est connu chez les Occidentaux, on parle beaucoup d'Atlantide, cette terre perdue, peut-être enfouie, engloutie sous les eaux. Mais allez savoir, peut-être que justement, là, ce que Dieu nous dit, il est possible qu'il y ait effectivement
Parfois, ça arrive, des changements climatiques, des conditions, et tout ça, et tout ça. Donc, pourquoi pas? Si on nous dit que l'Égypte est l'Égypte, alors ok, d'accord. Mais dans ce cas, faut revoir aussi l'histoire de la Terre dans son ensemble et dire, bon, bah, c'est vrai qu'effectivement, il y a quand même... il est possible qu'il y ait des changements climatiques ou des trucs qui font que... Voilà. Et même dans la sourate 21, Dieu le répète. Les prophètes, donc c'est la sourate Al-Anbiya, sourate 21, les prophètes, verset 42. Excusez-moi, je regarde. Je l'ai trouvé, donc c'est le verset 44. Ne faut-il pas que nous venons à la terre et que nous la réduisons de tous côtés? Encore une fois. Je crois que... Bon, c'est un peu clair. Bon. Je sais pas s'il le répète plus de fois que cela ou pas, mais je savais que c'était dans ces deux sourates-là déjà. Hein, voilà, ça je l'ai retenu dans mon cerveau. C'était pour vous dire que j'avais déjà le sujet dans ma tête. Ça faisait longtemps que j'y pensais, mais je voulais pas trop en parler, tant que j'avais pas assez d'indices pour... C'est vraiment le sycomore, l'arbre là en question que je vous ai parlé, qui m'a poussé donc à faire cette vidéo-là aujourd'hui pour que vous puissiez vous poser des questions à ce propos. Voilà mes amis, donc je crois avoir tout dit, c'est tout. À voir si vraiment, voilà, si l'histoire de Moïse, donc, elle s'est bel et bien passée en Égypte, ou alors, si on nous a pas menti, et que ce serait peut-être une histoire qui se serait plutôt déroulée en Europe. Hein. Par ailleurs, Europe, Europa, bon, l'Europe, le drapeau, c'est 12 étoiles. Ça nous fait rappeler la sourate 12, Youssouf, alayhi salam. Je vous ai parlé tout à l'heure que les pharaons datent déjà de Youssouf, alayhi salam. Voilà. Quand Youssouf il est parti en Égypte, si ça se trouve, c'est on parle d'ici là. Et de la libération, donc, ils ont traversé le détroit, ils se sont retrouvés dans un désert. Le désert, c'est où? Ça peut commencer au Maroc, ça peut commencer en Espagne, ça peut commencer en Turquie, ça peut commencer. Vous voyez comment ça se trouve? Là, Jérusalem, c'est pas ça que je remets en cause. C'est pas Jérusalem, tout à fait. Par rapport à l'histoire de Jésus, oui. Mais par rapport à l'histoire de Moussa, alayhi salam, non. Par contre, on a une grande steppe en Ukraine. Faut pas l'oublier. L'été, il y fait chaud là-bas et l'hiver, il fait très très froid. Bon. Mais voilà, la végétation, tout ça devrait être des indices qui nous poussent à la réflexion. Forcément. Voilà mes amis, sur ce, je m'arrête maintenant pour cette vidéo aussi. J'espère avoir été clair. Je regarde si j'ai rien oublié. Oui, j'ai oublié, je crois quelque chose. Et regardez bien quelque chose. C'est un de mes abonnés qui m'a fait part de ce message, que je remercie au passage et je lui passe un grand bonjour, salam alaikum frérot. Il m'a fait part d'une remarque vachement pertinente. Israël, donc, t'en as qui l'ont déjà décodé d'une façon différente que celle que je vais vous évoquer là à l'instant. T'en as qui ont dit c'était Isis, Ra, le dieu du soleil, et elle, Allah, Allah, tu vois. Bon, moi j'ai encore un autre truc, donc, que je vais vous dire tout de suite, et c'est très pertinent. Donc, Israël, si tu prends chacune des lettres, ça forme les initiales de Italie, Suisse, Royaume-Uni pour le R, A pour l'Allemagne, E comme l'Espagne, L comme Luxembourg. Écoutez, je dis ça, je dis rien, je pense que ça mérite voilà, d'être réfléchi. Sur ce, les amis, je vous laisse pour cette vidéo aussi et je vous dis à bientôt. C'était Amiro avec vous, alaykoum salam wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh, que la paix soit sur vous. Tchuss mes amis, à bientôt.